Les étudiants de l'Université de Maurice se sont glissés dans la peau de leur personnage préféré ce mardi 15 mars, lors de la 3e édition du Cosplay Festival. L'événement, organisé par UOM Anime and Manga Society and UOM Sustainable Development Society, a permis au public de découvrir l'univers nippon. Au programme, chant, chorégraphie, peinture en live et concours du meilleur cosplayer. Un jury s'est également prêté au jeu du cosplay. Cosplay Festival, c'est pas juste un groupe du monde qui fait déguiser et fait une performance devant eux, mais c'est vraiment la passion qui réunit à nous, tous aujourd'hui dans l'auditorium. Nous tous qui ici, nous tous faisons un masque. Quand nous sommes de nous et nous-mêmes, combien de temps après nous casser des liens sourire et ne pas raconter une pas chère. Au moment du monde, malgré tout, nous sommes proches de nous. Nous disons qu'à dire que oui, nous tous ici, nous faisons un masque. Malgré qu'il n'est pas pareil, mais il est là. Nous tous grandis, nous tous qui ici grandis, nous sommes super heureux, merci à nous. Même le vent d'après qui va du monde, nous dire merci à nous, même la vie tous les jours. So why don't we just be the hero that we deserve to be, that we want to be? Et le message que je viens de dire, c'est le visage casse sa pensée, qui nous aide à défendre l'autre du monde, l'autre société pour être heureux. Le visage écrit être sa du monde qui quand on l'éveille grand matin, visage sa message, good morning beautiful. Parce qu'il est plus qu'ici, you are beautiful as you are. So, ladies and gentlemen, un dernier d'après qui m'a envie des œufs à l'occasion de ce festival, un d'après qui m'a pas l'air d'un camarade, malgré un hommage, une pensée spéciale à tout le monde de nous qui ici, je vous reconnais les œufs, une pensée de tout, malgré le premier fois de dire, de pouvoir faire continuer, qu'il a vu pour dire, nous aime, nous veut, here we are still here. Tout problème de la tête, tout part et passe. L'art du cosplay puise ses origines au Japon. Le principe consiste à se vêtir comme un personnage d'animé, de film ou même de jeu vidéo. De nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour que les participants reproduisent à l'identique les caractéristiques de leur héros. Les étudiants se sont d'ailleurs mis en scène pour interpréter entièrement leur personnage.